Allô mes frères et sœurs, mes sœurs, mes frères, mes beaux gars, les belles filles, les beaux garçons, la jeunesse africaine est la jeunesse batailleuse, la jeunesse courageuse, la jeunesse brave. Madi Kalombo, le batailleur noir, a éliminé au sous ma carte à MKTV Pro. Tout développer ma ramezo pour les cato, comme on a ma camoufleuse, les autres pour les cabusos, tout aux informés, tous alli, ou qui les aides, ou qui les a karaté. Il faut le cambo salami, mbalamo, et continue à ma touille à moutou. Mais, tout copier, mon nom, tout ça, n'a pas son aïe à obéter la vie solo, mon nom, tout ça, n'a pas son aïe à obéter sa va détail. Bisop MKTV Pro, tout ça, n'a pas son aïe à obéter sa va détail. Tout ça, tout développer les cambo déjà, et c'est salami, ou les autres pour les cam, ma camoufleuse pour les canaras, États-Unis. Nengende kona biso auti ko perdre vie na ena maboko ya ba police blanc na kat États-Unis to yebi mais c'est George Floyd funeral nezaki hier zaki jeudi je pense ouais zaki jeudi alors que son âme repose en paix et vous allez bien là na ngi na sa na raisonné na tali na moni na landi d'information na moni ezali kamba pas ezali kamba mouvement ya pas c'est parce que bah tout va protester tout moni bah protestation aux États-Unis protestation tamboli mokili mobimba protestation qui est en Allemagne tina Berlin vous voyez que Berlin bah mine les Allemands bah protester pour mine la bombe noire bah Allemands vous voyez bine bah zala kaka vous voyez tout ébili bah mona magam na bangoana pour le balo bagana bah quoi des alafri mais vous voyez bine Allemands bah protester na Berlin France bah protester Iran bah protester tina Syrie Siri mboka ba na guerre mais va protester ne ba bomine de kona biso noir va protester mais totali sikoyo na kati Afrique tomoni ata pays moko ya Afrique etikali kote le maté etikali ko protester te eza pasi vraiment bande kona nga ata na zo loba na te lungia boye vraiment eza pasi parce que mutuana as africain d'origine africaine ce qui Hollandi ba kokoko konaye ba utama en Afrique. Oui, l'histoire ya esclavagisme, oui, bien en Afrique africain. Mais elo ke kamusinga ba tumusu zukuto ba kolo ba ketali biso te za makambu na biso te. Mais ba tona ba telemi, humanité telemi ba laxi ki humanité na bango. Tina ba ba na ba problème na Syrie na guerre na mboka guerre na Syrie. Na mboka guerre. Mais ba protester ma guerre na bango, ma guerre ba bombe. Et bah protester pour na liwa ya ya moko na biso na kat États-Unis ira protester Balman na Berlin va protester France va protester mais biso na Afrika te le homo to salité moko moko ya Afrika etikali ko bimate président moko ya Afrika atikali ko condamné ba biloko wana te bon exception ezali eza moko ka président ya Ghana a condamné ngwa président Ghana condamné parce qu'il y a blague ratée et si y a PC là après n'a évité pas de faire des formations a PC là déjà plus présent Macron na Macron qui est dans Ghana condamné à la caca l'ouvre qui non ceux qui Afrique ils a pauvre ils a pas parce que bas si n'avons pas beau travail oui ban neuf ban président Ghana s'il place a PC là Macron pour qu'il n'ait pas Google pour mettre des formations là pour comment on a PC là Macron s'il place ils appellent pour ils attendent pour na basi africain babo tara wiba na ndé africain ils appellent ils appellent na bongo ta PCL acha azonsa maman les jeunes Macron na place na eba ni do président Ghana c'est à sakanarate donc le seul président d'Afrique vraiment yende a bimi à lobby aza contre ba biloko salami wana yenda manifester mais contactement na na maman makamwana mais tout le reste ba pays africain tout moni tata pays moko lobby té pour l'année, les lopo, pour constater les losos du Cambodge voisin, l'obéroé là, on a pu assister pour le Cambodge n'angoué. Ce qu'on a assisté voisin en a été pour le Cambodge et juillet, ne va le voir là. Liban est une des qui a pu s'écarter. Il faut toujours assister la personne. Voisin, tel le Cambodge a n'engé ni à bouquer. Il faut qu'on assiste pour ce que les voisins les lopo. Lobby soke ye liote et vous yez la moine. Donc, photos en solidarité en entre les sous-africains. Toto, attends, ils sont les leaders africains. Bazar, ben présent. Bazar, t'as la peste, mounele soko abandonne à l'aise. Mounele ou tu yez à Kansagin dengue et sali en plein n'a pas côté en Afrique et ça a danger. Bazu kout n'a pas avantage déjà na kati yamboko ni na Zimbabwe. Ambassadeur déjà ya
y a mérite bah bah du coup d'avantage avant que bah bah Afrique nous va protéger c'est parce que j'avais esquisse bon bah on va commencer à faire quoi en Afrique mais bah moni et non en Afrique il est sur les carcoune donc bah moi bah comprendre que les Africains ne s'aiment pas les Camerounais bah on confie bah le Bétali bah moté et Bétali Afrique ils aiment quand bah ou non même toi nas un noir bah mine de rien on se va protester on a pas ça bah noir tiens pour on y va protester on va protester bah on protester quoi. Parce que bah, les lois vont reconnaître que nous sommes tous les humains, on a droit au même, on a droit de, d'être traité de la même façon. Il y a un moment où ça qu'on protester mais bien sûr en Afrique, où sont les présidents africains? Bah ça n'a pas pour nous remplir la poche n'avant-go. Bah ça comment bah président juste pour la famille n'avant-go juste pour bah la base militaire tout bas sont bah bandes de 20. Bah comment aussi bah millions bah milliards. Baba nola na ba million na ba na ba na ba on c'est ça batika lobi maté batika même pas pour le loco tala biso ne ba noir to lingana raté tala ne biso ba africain to lingana ba noir américain c'est tala solidarité la biso ça et loco tu mboka ni africain te lini les ata ata moko te mais ba mboka ni so on a bi ata Syrie mboka Syrie ba syrien ba na guerre ba manifester. Iran, bah ça problème dans l'économie, dans l'Amérique, mais va manifester. Et bien sûr, africain, tu vas ni n'abîme. Et l'autre côté, il y a un autre monde nata na Sud Afrique, on a en Afrique d'ici. Sud Afrique, c'est un bar à monter l'été pour nani. Sud Afrique, c'est un bar à monter l'été pour. Aïe, bien que ceux qui a bombé monter les moko, bah monter les nions sont moqués, ils vont hôter les. Il y a un autre bar à monter l'été. Il y a mon arabe, mon tout arabe, mon monde qu'on est noir. Pour aller bien que bah noir bah ça bah lâche à ta de bomi bah on va présent pour la barbe le barater tout le monde en Afrique du Sud et l'équipe calamine a été bah Sud Africain bah massacré bah noir les Sud Africains ont massacré les noirs mais bah tiki mundele azobanga ko boma mundele pour aller bien que soit bomi mundele mundele bah on va accompagner na bango bah pour manifester mukili mobimba alors après ça bah noir pour aller bien que biso doit bah lâche tout le barater. Ba président ya ba situation ba ba vanda na kata Afrique d'ici do ba bomaki ba ona ba massacre na ba loba no côté ba vanda ba sala réaction mo côté et l'autre côté les kakaka ko ko ba bomine ba nzinzi ou ba bomiso ba bilo ni tala niveau to zana ba ninga et ju voisin ko sekate to misuna na solidarité zo ezé loko moko moma ya nini ya nini ya onde sala ba tubaza la yini. Sotali MKTV Pro pour la première fois, n'hésitez pas à s'abonner, au ça la bien, au te croche la notification à chaque fois dans cette vidéo, au bando ratete, au te commenter, au sous en attend, au partager puis ma vidéo, au ça la bien. Donc, et ça va pas si on a envie de télim, ça va être parce que Nathalie va ni na landi, va évolution, à moins qu'il va payer, nous sous, va protester, mais sauf Afrique, et tu as côté le maté, à l'exception, il y a président, il y a. Il y a Ghana qui est comme tout à manifester mais contrairement à n'actuana na liwa ya ya mdekonabisho quoi il ne monte à manifester le reste c'est présent bazawa qui va vendre bazo qui peut douter il y a nos hommes na bisho africain tous en la valeur il y a tous en la valeur était na bamboka ou trouva na ou trouva tous en la valeur parce que pour bazo bisho na valeur pour gouvernement na bisho moi bazo peut certainement bisho valeur était na mboka na bisho après ça va situer valeur il t'as préféré après ça étranger valeur. Azo préféré après ça va étranger valeur, azo préféré après ça va chinois valeur, nakati Afrique. Mais t'as là au bas chinois bas sali nakati à Chine, bas pèse biso valeur. Bon après ça biso valeur était pourquoi parce que bah yébi que gouvernement la biso, bas gouvernement biso africain bas pèse ça bas citoyen bas mon moko valeur était. Mais ceux qui osent pèse à moi nos valeurs étaient, ils osent linga. Moutaliban da pèse à moi nos valeurs. Ça raté mieux c'est que banananda vous n'avez. Vous pensez moi à nos valeurs, bataille banda que vous pensez moi à nos valeurs. Voilà, les amis, moi, réflexion là, tout ça, tout partageons ensemble, et tout, et tout, on a battu, les Cambodgiens voisins, il faut toujours toi assister, quoi, assistance des Arabiens, solidarité, des mémoires, unité, des mémoires, développement, des économies, la vie, libération, vous allez libérer, jamais vous allez libérer, aussi longtemps, tout ça, bah, groupe, t'es pas libéré, non. Il faut que nous groupe pour nous surtout sans nous, nous avons libération ensemble.
Donc, unité, on a mis ça à bon. Donc, il faut tout participer dans le Cameroun. Tout va n'arrêter, tout participer dans le Cameroun, tout bima, tout ça, vraiment. Surtout, tout ce participer dans le Cameroun, t'es là, on a n'en ni tout bima, tout bien à la barbe. On était pour, oh, écoute, tout coquille, tout qu'il y a d'attendre. Tout, à 5 personnes, là, qu'il y a d'attendre. À ta 2 personnes, là, qu'il y a d'attendre l'ambassade, il y a États-Unis, dans le Congo, dans la RDC, rien. Et bon, si quoi, 1000 personnes vont demander ni quoi, ben on a pas besoin de ceux qui m'accompagnent beaucoup tout le bureau de tout vendre. Mais ceux qui vont vendre, Dieu va faire, Dieu va faire. Dans mon salaire, t'es bakado malheureusement bakado nyoso. Et y a un zambé là qui a un emballage, qui a un autre, y a un emballage différent. Il ne faut pas négner ni quoi, ou pas ça, bien ou pas ça, mais donc il faut tous à la peine à l'idéologie, on a la solidarité, solidarité, solidarité et puis y a l'unité. Unité et pessimisme liberté, c'est ça. Vous allez à MKTV pour la première fois, n'hésitez pas à s'abonner. Tout comme nous avons vu la vidéo, n'a avons vu la vidéo, nous avons vu la vidéo, nous avons vu la vidéo, noir, la voix qui crie dans le silence du désert. Zamba batte la vidéo, la vidéo, et ça, Korea. Ciao. Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails, les textos sur la Terre, les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin, et ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois ? Aux États-Unis. Il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous. L'assurance maladie. Elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des Américains sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush ? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice ? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo, où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès, sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans ? Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act, ce qui en clair permet la détention infinie et sans procès, américains y compris. Nous avons une crise constitutionnelle aux États-Unis. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Magna Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison. Les prisons, justement. Aux États-Unis, nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne. La moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée ? Je vais vous le dire. Parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça bouge pas.
Pourquoi les pop stars, les célébrités, les courtiers, tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'exta à longueur de journée vont jamais en prison? Parce que quand vous êtes plein aux as, vous êtes au-dessus des lois. Regardez Lincoln, le film de Spielberg, et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves. Comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête. Et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles, de le diffuser à la télé en boucle pour toujours. Mais la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Vous regardez la télé-réalité tous les jours, pour tuer le temps, et vous croyez que vous êtes à la page parce que vous regardez Anderson Cooper et d'autres coquilles vides sans la moindre opinion. L'apparence est sans importance, les marques sont sans importance, les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple, comme dirait Karl Marx. Je vais vous ouvrir les yeux, vous réveiller, vous changer. Je suis sûr que jusqu'à un certain point, t'aurais voulu être un chantre de la vérité. Pas vrai? Avant que tu sois intéressé par le fric, par la télévision. Je suis sûr que t'aurais voulu être un vrai journaliste. Je suis un vrai journaliste. Mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la Constitution. Oh, la Constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches. L'ordre, c'est eux. Ils ont fait la Constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées. Les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde. Regarde les oligarques russes. Et les propriétaires allemands de l'industrie automobile, des chemins de fer, de l'industrie pharmaceutique, ils ont tous utilisé le travail des esclaves sous Hitler. Pas vrai? Et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. La couronne britannique. Pas vrai? Et les nantis africains, eux, ils massacrent leur propre peuple. Ils empêchent leur pays de se développer. On lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leurs pétrodollars acheter des voitures de luxe à nos entreprises américaines pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers. Ils accordent aucun droit aux femmes, ils tuent les gays. Seulement ça, on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon. Nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiales de leurs propres entreprises. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur, Chip. Tu n'es pas différent des autres journalistes. Tous les présentateurs de journaux sont dans la poche de quelqu'un. J'ai pas raison. C'est quoi le programme ici? Oubliez que tuer des innocents est une solution. Je crois, oui. Franchement, est-ce que c'est pas la solution que l'Amérique utilise aux quatre coins du monde? Avec leurs drones. Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins, Chip, pour avoir un terroriste. On paye pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie. Pour retarder l'inéluctable, dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Avec des mots, on changera rien, c'est trop tard. La seule façon dont je peux intervenir sur ces vies, c'est en les prenant. La seule façon dont je peux intervenir auprès de toi, c'est en te tuant. N'y a-t-il pas une meilleure solution? Par exemple, fonder un parti. Enfin, convaincre. Convaincre les gens de vous élire, faire la différence dans les... Me faire élire? Me faire élire dans quoi? Tu m'écoutes pas. Ça sert à quoi de se faire élire? Arrête de dire des conneries. Chip, c'est quoi la politique? Que tu sois démocrate ou que tu sois républicain, ça change strictement rien. Tous les gouverneurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont été achetés. On peut toujours voter et élire quelqu'un. Ça change rien. Ce sont les lobbyistes qui ont le pouvoir. Toutes les histoires ont deux versions différentes, chacun a son opinion. C'est ce qui donne à la démocratie tout son intérêt. Le fait que nous puissions tous exprimer notre opinion. Ouais.
aussi longtemps que l'expression de ses opinions ne change rien. Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement. Pour toujours, on va m'envoyer à Guantanamo. Ça sert plus à rien de s'exprimer. Et vous ne pensez pas pouvoir changer cet état de fait ? Je peux pas. Je crois que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Ce que j'attends de vous, c'est que vous changez le monde. Et ça se fera pas tout seul, ça se fera pas pacifiquement. Nous allons devoir tuer les riches. Sortez de chez vous. Prenez vos armes. Allez faire sauter Washington. Partez à la chasse aux milliardaires, aux patrons de banques, aux ordures, aux PDG, aux menteurs, aux gouverneurs, aux lobbyistes, aux sénateurs. Tout ça, c'est du pareil au même. Il faut les pendre! Au premier arbre que vous trouverez, nous devons faire le ménage, tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Il nous faut une nouvelle chance. Mais je peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous maintenant. Je vous remercie par avance pour votre aide.